tout le monde Aujourd'hui, on est vendredi 1er mai 2020, et c'est français avec Madame Dula. Alors, on va commencer avec les gens modifient les plans d'eau. Après, on va faire l'histoire du temps. Après, je vais vous lire, et à la fin, bon week-end, c'est tout. Alors, on commence. Les gens modifient les plans d'eau. Alors, on est ici sur ces deux pages que je vous ai données. On y va. Les jaunes modifient les plans d'eau. On peut changer les plans d'eau de la Terre en construisant des barrages. Un barrage est un mur qui traverse une rivière ou un cours d'eau. Les barrages peuvent retenir l'eau et créer de l'énergie. Les jaunes modifient aussi les plans d'eau en construisant des canaux. Un canal est un chemin D'eau qui relie deux plans d'eau. Les canaux nous aident à voyager et à transporter des biens. Alors, ce qu'il ce qu faut faire ici, c'est souligner deux manières qu'on a de modifier les plans d'eau. Alors, première manière, c'est construisons des barrages. Deuxième, construisons des canaux. On continue. Se simplifier la vie. Nous changeons notre environnement pour nous rendre la vie plus facile. Ces changements sont importants car ils affectent la manière dont travaillent et vivent les gens. Les routes, les ponts et les tunnels relient les lieux de sorte que les gens peuvent aller plus rapidement d'un lieu à un autre. Les fermiers labourent la terre pour semer des graines et faire pousser des récoltes. Quand il n'y a pas assez de pluie pour faire pousser les cultures, les fermiers irriguent leurs champs. Irriguer veut dire transporter de l'eau sur une terre aride. Cela simplifie la vie de chacun d'avoir la nourriture dont on a besoin pour vivre. Numéro 3, encercle la partie de l'image qui montre ce que irriguer veut dire. Alors, irriguer veut dire transporter de l'eau sur une terre aride. Alors, compris Numéro 4, cause et effet. Décrit un effet qu'un changement climatique peut avoir. Alors, on sait qu'un changement climatique peut être qu'il n'y a pas beaucoup de la pluie. Alors, s'il pleut pas, on a besoin d'irriguer la terre aride. Numéro 5. L'environnement dans lequel tu vis est-il urbain, suburban ou rural Écris comment tu le sais. Alors, l'environnement dans lequel je vis est suburban. Je sais parce qu'il y a beaucoup de maisons et c'est près de la ville de Los Angeles. Et voilà. Alors ici, il y a un carré rouge qui dit Arrête, j'ai besoin d'aide avec. Alors si vous avez des questions sur ça, il faut les écrire ici. Vous pouvez aussi peut-être dessiner quelque chose euh, juste pour me demander pendant euh, le zoom. Et il y a un triangle vert. Vas-y, maintenant je sais que. Alors, qu'est-ce qu que tu as appris Alors, if, il faut pas écrire là, mais juste pense à ce que tu sais maintenant. Alors, ça c'est tout. Maintenant, l'histoire du temps. Alors, ça c'est les maths. Histoire du temps. Je vais vous lire. Cindy et Olivia Air prennent leur déjeuner ensemble à l'école. Elle mange pendant « une minutes et puis elle joue dans la cour pendant « une minutes. Si le déjeuner termine à « h 40 », à quelle heure ont-elles commencé à manger? Alors, ici, il y a trois options différentes. Euh, vous pouvez choisir « 10 et 20 »,« 25 et 15 » ou « 27 et 18 » pour remplir euh, les, les blancs, là. Alors, si vous avez choisi euh, 10 et 20, on va commencer avec ça. Ici, il faut montrer le travail. Alors, 10 et 20, on peut dire midi 40 moins 10 minutes égale midi et demi. Midi et demi moins 20 minutes égale midi 10. Ou on peut faire comme ça. 10 plus 20 égale 30. Midi 40 moins 30 minutes égale midi 10. Alors déjeuner a commencé à midi et 10 minutes. OK. Deuxième. 25 et 15. Alors, première, mani première manière, midi 40 moins 25, c'est midi et quart. Midi et quart, moins 15 minutes, c'est midi. Ou on peut faire 25 plus 15 égale 40. Midi et 40 minutes, moins 40 minutes, c'est midi. Alors déjeuner a commencé à midi. Troisième, 27 et 18. Midi 40, moins 27, égale midi 13. Midi 13 moins 18 minutes égale 11h55. Ou, et ça c'est beaucoup plus facile parce que 27 plus 18 égale 45. Alors, midi et 40 minutes moins 25 minutes égale 11h55 minutes. Alors, déjeuner a commencé à 11h55. Alors, si vous avez fait 10 et 20, l'heure c'est comme ça. Midi 10. Si vous avez fait, euh, fait deuxième option, voilà midi. Et si vous a, avez fait le troisième, voilà. 11h55. Alors, c'est tout. Maintenant, je vais vous lire. Ok, le livre que je vais vous lire, c'est Le poisson rouge de Nanami. Qui est ici. L'auteur, c'est Yuichi Kasano. Voilà, ah ici. Voici Léo, le petit poisson rouge de Nanami. Voilà. Léo est né dans un des bassins d'une ferme piscicole au Japon. Plop, il est sorti d'un petit œuf. Alors voilà Léo. Léo, c'est ici. Dix jours après sa naissance, il a été transféré dans un bassin beaucoup plus grand. En compagnie d'autres petits poissons rouges, il a barboté dans ce grand bassin où l'on venait tous les jours leur apporter à manger. Voilà le bassin très grand. Et là qui apporte quelque chose à manger. À sa naissance, Léo n'était pas rouge. Il était transparent. Léo a trois jours, à dix jours et finalement à 30 jours. Ça c'est Léo. À 50 jours et à 65 jours. Au bout de quelque temps, il est devenu jaune et enfin rouge. Alors, transparent, rouge. Et maintenant, ça c'est Léo. Un jour, le monsieur de la ferme piscicole a attrapé Léo et tous ses amis avec une épuisette. Oui, il les a mis dans des sacs en plastique transparent. Les petits avec les petits, les moyens avec les moyens, les plus grands avec les plus grands. Il a déposé les sacs dans sa camionnette. Vroom, vroom, la camionnette a démarré en portant Léo et ses amis. Alors voilà, Léo. La camionnette les a conduits jusqu'à un grand étang où flottaient de nombreuses cagettes de bois. Les cagettes avaient une grille pour laisser passer l'eau et, et contenaient différentes sortes de poissons rouges. Léo et ses amis ont été placés dans l'une de ces cagettes et poussés, à l'aide d'un long bâton, vers un grand bâtiment situé au milieu de l'étang. Voilà. Ce bâtiment était un magasin de poissons. Des marchands venaient de tous les pays pour acheter des cagettes de poissons. Quand un marchand avait choisi une cagette, il lançait un jeton de bois dedans. Le numéro inscrit sur le jeton permettait de reconnaître l'acheteur. Ce jour-là, la cagette de Leo a été choisie. Alors voilà les jetons de bois. Tu les marchons ici. C'est comme ça. Alors il y a voile de Chine, chaperon rouge, poisson rouge japonais, télescope et tête de lion. Il y a plusieurs poissons rouges. Voilà Léo et ses amis transférés dans un seau, puis dans un grand sac en plastique transparent. Le sac est gonflé d'air à l'aide d'une pompe, puis il est hermétiquement fermé et emballé dans un carton. Voilà. Alors, il y a Léo. Ici, dans un seau, sac plastique et finalement, carton. Vroom vroom Encore un bruit de moteur. Mais ce n'est pas la camionnette de ce matin. Cette fois, Leo et ses amis sont emportés dans un camion. Ils voyagent longtemps dans le camion. Alors voilà Léo. Puis Léo et ses amis sont transférés à bord d'un proie lourd, puis dans une fourgonnette. Ils arrivent enfin à Tokyo dans un grand magasin où l'on vend toutes sortes de poissons des poissons rouges, des poissons tropicaux. Leo et ses amis sont tout de suite sortis de leur sac en plastique et installés dans un aquarium. Leo est resté longtemps dans le carton et il a été, il a été beaucoup secoué pendant le trajet. Une fois dans l'aquarium, il s'endort tout de suite. Regardez-le et dort paisiblement les yeux grands ouverts. En effet, comme tous les poissons rouges, Léo n'a pas de paupières et ne peut donc pas fermer les yeux. Alors, il s'endort, mais on peut voir les yeux. Dans l'aquarium du magasin, Léo passe ses journées à nager. Et à manger tranquillement en compagnie des autres poissons rouges. Mais au bout de quelques jours, Léo et ses amis sont de nouveau transférés dans des sacs en plastique et chargés à l'arrière d'une camionnette. Où va-t-on les emmener cette fois? Donc, voilà Léo ici. Boum! On entend des feux d'artifice. C'est le signal d'ouverture de la fête d'été du quartier. Leo et ses amis sont déposés dans une grande bassine. Au Japon, les parents offrent toujours des poissons rouges à leurs enfants pendant la fête d'été du quartier. Alors, voilà. Le papa de Nanami lui a promis un poisson rouge. Voilà ton épuisette, Nanami. Choisis celui que, qui te plaît le mieux. Oui, papa, c'est celui-là que je veux. Voilà, Léo. Léo nage de toutes ses forces dans la bassine pour échapper aux épuisettes. C'est fatigant. Au moment où il fait une pause, Nanami en profite pour l'attraper. Tout est à moi maintenant! Nanami est pressée de rentrer chez elle avec Léo, qu'elle emporte dans un petit sac rempli d'eau. Un aquarium attend déjà l'arrivée de Léo. Le fond est recouvert de petits cailloux. Il y a aussi une boule qui fait des boules. Des algues qui se balancent dans l'eau et un couvercle pour éviter que le chat ne s'approche trop près. Voilà le chat. Hmm? Leo se sent bien dans son nouvel aquarium chez Nanami. Il est heureux et va enfin pouvoir mener une vie paisible. Nanami regarde Léo nager. C'est elle qui lui a donné ce nom. C'est son poisson rouge. Il ne ressemble à aucun autre. Et c'est tout pour aujourd'hui et pour la semaine. Ok, bon week-end tout le monde. Amusez-vous.